La cinquième édition de la marche Ndemboya Makassi est partie du parking du stade de l'Unité dans la commune de Kintélé. Sur un parcours laborieux de 11 km, les participants issus des diverses entreprises ont dû escalader les collines et côtoyer l'environnement naturel dans les hauteurs de Kintélé avant d'atteindre la ligne d'arrivée. Nous souhaitons vraiment mettre en activité physique l'ensemble des travailleurs, aussi bien d'entreprises que des taximans, que nos mamans commerçantes. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, la sédentarité est un fléau. La sédentarité, c'est ce manque d'activité physique qui fait qu'on va déclencher des maladies comme la tension, le diabète et le cholestérol. Et donc, nous voulons nous inscrire dans cette logique de travailler avec différents partenaires publics et privés pour contribuer à l'amélioration de la santé des travailleurs en milieu professionnel. La marche sportive Ndemboya Makassi a atteint sa cinquième édition cette année. Grâce à cet événement, la Ligue départementale du sport au travail de Brazzaville a pour objectif d'améliorer la santé des travailleurs en milieu professionnel, en manque d'activité physique, et contribuer aussi à la promotion de la pratique du sport au travail. Ça m'a fait plaisir. Au début, je me suis dit que je n'allais pas arriver, mais par la grâce de Dieu, je suis quand même arrivée. C'était pas facile, mais quand même, on a marché et c'était pas mal. Donc plus nous pratiquons du sport, plus nous donnons du tonus à nos os, nous fortifions le corps. Et à ce moment-là, nous avons donc la bonne santé. C'est pas 1 km, mais 11. Donc il a fallu élaborer plusieurs stratégies, il a fallu la passion de l'effort pour pouvoir y arriver. Il a fallu se donner par tous les moyens pour pouvoir y parvenir. Cette marche a été organisée dans le cadre de la Journée internationale du sport au service du développement de la paix qui est célébrée le 6 avril de chaque année. Par ailleurs, elle constitue une marque de détermination de la nouvelle équipe de la Ligue qui, depuis son élection, favorise le rassemblement des professionnels des secteurs publics et privés autour des diverses activités sportives.